Alors, la municipalité est heureuse de vous accueillir dans ce parc, comme vous le voyez, qui a été complètement rénové. C'était dommage d'ailleurs, hein, de laisser un parc comme ça en friche. Alors c'est toujours dans le cadre, bien entendu, des travaux sur le cadre de vie, l'environnement, la jeunesse et je dirais aussi l'intergénération. Alors, c'est vrai, après le square Hafner, après le jardin pédagogique, et j'en oublie, eh bien, et le Capellan, bientôt, on a voulu réaliser ici, comme je le disais, des activités ludiques et des activités de repos intergénérationnelles, puisque vous le voyez aujourd'hui, c'est un tableau magnifique avec des enfants, des moyens, des adultes, des plus âgés, et puis on espère encore des plus âgés encore, parce que les activités seront multiples. Vous avez bien sûr les activités où nos aînés ne peuvent pas monter, c'est interdit, là-haut. Hein. Il y a le jeu de boules. Le jeu de boules, on m'a dit qu'il était un peu en pente. Mais c'est exprès, parce que c'est, je le disais, de la pétanque, et ce n'est pas de la lyonnaise, contrairement à ce que certains voulaient pratiquer comme activité. Et puis, il y a les bancs pour le repos, on peut venir lire si on veut. Et puis aussi, on a séparé, parce que nous on est racistes, on a séparé les humains et les chiens. Et donc, vous avez un parc à chiens, c'est je crois le premier parc à chien de Bandol, se trouve là-bas. Et donc, vous pouvez amener votre chien le vendredi soir et vous le reprenez le lundi matin. Non, ne le faites pas. Hein. Mais ceci étant, je crois que c'est bien quand même parce qu'on mène, abandonne une politique de propreté et je ne voudrais pas que ce parc soit handicapé par les crottes de chiens. On fait tellement de choses que là, on continuera à le faire. Et puis, je terminerai parce que c'est quand même très symbolique ce qu'on a fait là, parce que vous l'avez remarqué, nous sommes entre une école et nous sommes entre une pouponnière. En fait, ça a changé de nom, mais c'est une pouponnière quand même, avec des enfants de 1 an, 2 ans, et puis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et pouvoir franchir une porte pour être dans ce lieu-là, je crois que ça manquait à Bandol et que ça manquait pour les activités des puéricultrices, de tous ceux qui travaillent à la pouponnière, qui sont quand même contents de quitter un univers hospitalier avec les enfants qui eux aussi en bénéficient. Et puis, notre école avec, je crois, la directrice qui se cache et qui doit être par là. Alors voilà, hein. Notre directrice est très heureuse aussi de pouvoir faire profiter les enfants. On a quand même une école qui est magnifique, hein, avec des activités ludiques et pédagogiques, mais là, ce sera quand même un plus. Et puis, les parents peuvent venir aussi après, dans ce parc. Hein, et ils peuvent venir à l'heure du goûter. Alors, je terminerai en félicitant tous ceux qui ont participé à ces structures, parce que c'est... Oui. Vous me laissez parler, Madame Athéna, et tous ceux qui ont participé à cette structure, parce que ça n'a pas coûté trop cher à la collectivité, je crois une dizaine de milliers d'euros, mais ils ont fait un travail énorme et un travail en régie, un travail donc municipal. Et là, je voudrais tous les nommer. Alors, où il est, le principal, hein? Allez, hein? Monsieur Hervieux, venez, bravo, on peut vous remercier. Hein, avec toute l'équipe de Monsieur Hervieux, hein, et puis il y a aussi Monsieur Labrosa, hein, Madame Doucet, j'en oublie beaucoup. Donc, je crois que... Et Thierry Martinon, mais où il est? Oui, mais il y a Thierry Martinon, je ne sais plus où il est, qui est notre directeur technique, et bien sûr... parmi les élus, Patrick Coraza, qui est ici présent. Vous ne le reconnaissez pas, il est allé chez le coiffeur il y a 2 jours.
Enfin, il est toujours aussi efficace. On lui a enlevé quelques cheveux, mais il est toujours dynamique. Donc, je pense que tout le monde sera très heureux dans le quartier et toutes les structures qui sont autour de bénéficier de ce merveilleux endroit. On fera d'autres transformations, mais pour le moment, je crois que c'est déjà beaucoup. Donc, je vous souhaite de venir nombreux avec les enfants en intergénération pour profiter de notre cadre merveilleux, cadre bandolé, bien entendu, mais surtout du Bois Morin. Voilà, et maintenant, je vous invite à partager un magnifique goûter qui a été préparé par qui ? Par Hervé Huin, qui s'occupe de notre restauration. Voilà, merci beaucoup.